Alors, arrivé sur le plateau, le pourra toujours, le rentre. Et là, je vais descendre derrière le ranch. Il y a deux étangs. Oh, je suis là, là. Les bobs qui sont dans le grand bâtiment. Je peux plus marcher descendre derrière le ranch. J'entends et puis du tout. J'entends et puis juste là. Oui, on entend que ça va, c'est pas grave. Ça, c'est dans la région, c'est parti depuis ici, il est tout changé. Il y a de l'essence, c'est sale. J'espère qu'il va pas coûter le temps. Là devant, c'est l'engrenier, le temps de l'engrenier. Et sur sa droite, le temps de la Valdue, avec la langue de terre entre les deux. Là, il n'y avait pas, il y a une grosse roue au bout, pas en fait. Et là, je rattrape un petit chemin, à l'air, à plat, complètement à plat, puisque ici, un canal d'irrigation, qui va de la barre de feu, là-bas. Alors c'est comme ça pendant 5 km. Là en bas j'ai l'étang de l'engrenier. Et là-bas j'ai l'étang de la Valduc que je vais longer de la même façon. Vous voyez qu'on voit rien. Avant, on voyait beaucoup mieux, il n'y avait pas toutes ces merdailles. Hein. Engrenier. Bon, la Valduc, je ne le vois pas encore. Je peux le voir de là. Là-bas. Là. Et mon chemin, il va jusqu'au bout de la Valduc. Alors, la Valduc, je crois, vous le voyez bien. De l'autre côté, c'est Fos-sur-Mer. Là, je vais arriver à Saint-Blaise. Saint-Blaise, c'est pas un patelin, hein, c'est un site archéologique, c'est tout. Voilà, j'arrive au parking de Saint-Blaise, avec en face l'étang de Sitis. Là-bas, Istres. Et là-bas, Saint-Mitre. Entrée libre, très bien. Bien sûr, toute l'année, comme de l'autre côté, les voitures, elles ont un parking, comme celui-là. Tout le reste, c'est interdit aux voitures. Hein. Toute l'année. Bon, je viens de quitter le parking Saint-Blaise. Et là, on arrive au site proprement dit, derrière la muraille, là. C'est gratuit, hein. La chapelle, avec les vestiges de l'ancienne. Chapelle. Bon, mais ça fera l'objet d'un autre reportage qui est en préparation depuis au moins un an.